liberté pour les Munichois sur l'aile. Ah, le crochet, il replonge vers l'intérieur. Et oui, le tir. Goal. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ouais, je m'en sors et tout. Griezmann. Un ballon capté sans problème. Ballon pour Alvaro Morata. Il y a faute, mais avantage à l'Atlético. Voilà, ça c'est un bon centre. Allez, c'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Et voilà un tacle parfaitement réussi. Le ballon est récupéré. Allez, c'est bien joué. Ballon par-dessus. Ah, ça part très bien. Ouh, c'est contré, in extremis. Ouais, changement à venir pour le Bayern Munich. Il est joué court. Ah, il repique vers l'axe dans les bras du gardien sans difficulté. Le ballon pour Gérard Moreno. Récupération du ballon. Et avantage Atlético sur ce ballon. De Paul. Ballon pour Memphis. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. C'est vrai que j'avais oublié que Memphis de Paul il avait signé à l'Atlético Madrid. Ouais. Jouant Cancelo, alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Ouais. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Ouais, aussi, je il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doubler. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Les trois coups de sifflet, c'est donc terminé pour cette rencontre. Les équipes rentrent au vestiaire. Et voilà donc cet essai. Ah, le crochet, il replonge vers l'intérieur. Et oui, le tir. Pardon. Merci.
cette manette. Oh, elle craint sa mère. Le jeu interrompu est donc placé au changement demandé. On va voir si ce changement va leur permettre de prendre l'avantage. Isai. Moi, je vais me fâcher. Oh, la bonne parade. Très bon arrêt. Il a utilisé l'extincteur. Il avait le feu. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Oui, ce ballon est intercepté. Et bien joué dans la profondeur. Et le ballon part bien. Quelle intervention absolument décisive. Pedro. Et le gardien fait le nécessaire. Et double changement pour le Bayern Munich. Cornea. Arrêt exceptionnel. Le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Non. Je fais qu'un joueur au Bayern de Munich. Et ce corner est joué court. Et ça joue sur Milinkovic-Savic. Intervention du gardien. Allez, bien frappé ce corner. Non, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Alors, je voulais partir à et au final, ça ne donne rien. Un bon contre à jouer, peut-être. Ah, il est passé sur ce bon geste. Elle frappe contrée sans souci. Ouais. Et un changement donc. Tu peux pas. Pourquoi tu me retires des vis toi? Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Oh le but! Quelle frappe! Quelle trajectoire! Hallucinant! Poteau rentrant. Putain. Quel boulet de canon! Et regardez la trajectoire, on dirait un missile. Magnifique. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Ah voilà une annonce qui va enfin mettre un terme aux rumeurs. Son transfert est confirmé officiellement. Et oui, il est intéressant ce transfert. On parle d'une des grandes promesses du football mondial. Espérons que ces chiffres ne lui feront pas tourner la tête. Le plus important, c'est le terrain. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque.
N'importe quoi ça. Pedro. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Pourquoi je suis en défense? Et ça joue sur Luis Alberto. Et oui, un peu de magie dans ce match. Bien fait ça, sans faute. Et le ballon piqué. Ah, le ballon est contré. Kimmich, mon poteau Kimmich. Quoi, chef? Aïe, la petite faute technique et le ballon sort. Oui, mais l'offensive se poursuit sur le côté. L'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. Elle la fera peut-être pour égaliser. Et la balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Enfin, ouais, parce qu'à cette distance, temps, c'est but à chaque fois, mon pote. Et c'est une remise en jeu à venir. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur par effectue contre, un changement. J'ai des problèmes de manette. Hein. Ah, putain, frérot. Et ça joue sur Luis Alberto. Personne à la réception de ce Bienvenue centre. Au club, les gars. Bienvenue bien joué, au club. Bien présent à la tombée. Bienvenue au club. Mais je suis en buteur, je suis pas en attaque, frère. Je suis un buteur, je suis pas en défense, moi. Bonne progression dans le camp adverse. Oh, c'est un bon ballon, ça. Goal. Le ben but non. Pour le doublé. Gros. Là, je suis en buteur, ça. Ils me mettent en défense. Et quelle réussite! Quel sens du but! Sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons! Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Milinkovic-Savic. En direction de Lazzari. En direction de Luis Alberto. Oh, attention à ce ballon! Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Il m'a mis à l'air droit, wesh. Une bonne pression défensive qui pousse à la faute, ça sort. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Ouais, bien donné en profondeur. Le ballon en touche. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Le gardien relâche dans la zone dangereuse. Et la défense s'en sort. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Ah, la frappe est contrée. Allez. Et ça y est, l'arbitre siffle la fin de ce match avec une victoire pour le Bayern Munich. C'est une magnifique performance réalisée par... Oh, incroyable! Quelle frappe! Quelle trajectoire hallucinante! Quelle est la forme parfaite?